Sur le plateau d'apprendre ou à laisser le jeu qui rend fou les Français. Et pas que les Français. Chaque soir, vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles à notre rendez-vous pour partager la plus belle des sommes, 1 million d'euros au 3281 ou bien par SMS en envoyant boîte au 6300. Je rappelle, et c'est important, que nous devons tous d'avoir une pensée pour Ludovic, le plus grand poissard de la Terre, mais qui est quand même reparti avec 20 000 euros, et ça, c'est la preuve que Dieu existe. Nous allons faire connaissance avec sa remplaçante. Waouh! Vous êtes la remplaçante de Champagne Ardenne. Quel est votre prénom? Laetitia. Je vous offre tout de suite la bande de jeu à prendre ou à laisser pour vous entraîner. Merci, Arthur. Merci. Bienvenue. On va démarrer, on va poser la question suivante que vous connaissez tous. Qui va venir à mes côtés? Qui va tenter de repartir avec la plus belle des sommes et faire péter le compteur de la banque au-delà des 27 553 822 euros? Computer! Qui va m'accompagner? Quelle région parmi les 24 régions de France? Qui va s'asseoir à mes côtés? La Corse! La candidate Corse, mesdames et messieurs, Ève, qui va se lever juste après les belles images pour faire connaissance. Evelyne est née à Bastia où elle grandit entourée de toute sa famille qui la surnomme Vivi pour sa joie de vivre. La jeune fille modèle devient en quelques années la maman admirable de deux garçons, Jean-François et Guillaume. À 46 ans, Evelyne, passionnée de danse et de bonne bouffe entre amis, espère bien gagner ce soir afin d'offrir à son père la maison de famille de leur village natal dont il rêve tant. Elle compte pour cela sur ses numéros fétiches, les dates de naissance de ses garçons. Evelyne, secrétaire médicale, vient prendre beaucoup plus que la température du plateau. Alors, bonne chance Evelyne. Vous m'avez défoncé la mâchoire. Si à chaque fois que quelqu'un. Mais on n'a rien vu, oh là là. Franchement, bon. Un petit peu. On l'a pas vu beaucoup. En tout cas, moi, de là où j'étais, j'ai rien vu. Vous m'avez ouvert la lèvre, regardez. Oh, mais c'est vrai? Ben oui, elle m'a explosé la lèvre. J'aurai un souvenir de moi. J'aurai un souvenir de vous. Un peu plus brûlant que d'habitude. Alors, on dit pas qu'on s'appelle Evelyne, on dit Ève, hein. Vous me l'avez bien planqué, je le découvre dans le sujet. Génial, attendez, je vous avance un peu. Hop là, on y va. En face de vous, les sommes qui partent d'un centime d'euros dans la zone bleue et qui vont jusqu'à 10 000 euros pour la petite. Et on commence avec du gold. 15 000, 50 000, 100 000, 500 000, 300 000, 200 000 et surtout le million d'euros. Le tour est parti de Magmed par Jean-Louis. Bonsoir Arthur, bonsoir Evelyne. Votre histoire, votre bonheur, c'est ce soir, c'est ces 24 boîtes. Et dans ces 24 boîtes, j'ai reparti au hasard 24 sommes. Bien entendu, Arthur ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. Non, bonne je chance. Sais simplement qu'au 3281 ou bien par SMS, en tapant boîte au 6300, vous partagerez les gains d'Evelyne. On y va, 6 boîtes avant le premier coup de fil du banquier. J'ai l'autorisation de masser. Vous avez les mains froides, mais c'est bien. C'est vous qui avez le corps chaud. La Bourgogne. D'accord, allez, on y va. 250 euros, boîte suivante. La 3, la Bretagne. Allez, la Bretonne, c'est à vous. En ouvrant la boîte numéro 3, nous recevons définitivement à la somme de 5 000 euros, c'est du bleu, boîte suivante. La 4. Laquelle? La 4. La 4, ah! La célibataire. 20 000 euros, attention, il faut rester dans le bleu. Votre copine, l'Aquitaine. Ma copine, la folle, comment ça va?
Venez que je m'approche de vous. On se parle plus, j'ai l'impression que vous aimez quelqu'un d'autre. Non, 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 je vous aime toujours autant. Oui, je sais. Allez, on y va, bonne chance. 15 euros, c'est rien. Somme de Basse-Normandie de... Anda 500 000 euros. Pourquoi vous bouchez les oreilles? C'est les yeux, hein. Elle a fait... Oh non. Non, c'est une technique. Allez, on oublie cette mauvaise passe et on remonte dans le bleu. Les yeux bleus. Ah, le beau gosse de Midi Pyrénées. Oh, sûr. La 22, elle a cru que vous parliez d'elle. Oui, en plus, c'est vrai qu'elle... Allez, on y va. Ah, vous n'allez pas nous refaire le coup à la Ludo d'hier, hein? Ah oui. Allez, boîte suivante. Ah bah, c'est trop tard. Ouais, allô? Bonsoir, ça va, vous? D'accord, très bien, je transmets. 27 000 euros. À prendre ou à laisser. 27 000 euros, c'est 177 000 francs. Vous avez un petit air de Mireille Mathieu, je trouve. Oui, vous me l'aviez dit la dernière fois. Mais je n'étais pas vexée à cause du physique, j'avais peur de chanter. Il n'y a que Kiki qui sait bien chanter chez nous. Elle a c'est répété vrai. Tout le temps, tous les soirs. Bon, non, je refuse pour l'instant. Mais 27 000 euros. Non, non, mais c'est pas ça que je veux pour l'instant. Une fois. Deux, trois. On continue, vous aussi, au 3281 ou bien par SMS. En envoyant boîte au 6300, vous partagerez les gains de notre copine. Alors, mademoiselle. Mademoiselle Ève. 5 boîtes avant le prochain coup de fil du banquier. Oui. Ouvrez-moi les bonnes. Notre belle limousine. La limousine. Ouvrez-moi cette boîte. 15 000 euros. Boîte suivante. Attention, du bleu. Le 11. Ah. Ça va, Poitou-Charentes? Oh, vous pardon, dire... désolé. Pas. Bon, il écoute même pas l'émission, celui-là. C'est mon voisin qui m'a distrait. Du 11, bon, vous regardez là-bas, mais je sais pas, vous écoutez l'émission. Ouvre la boîte, c'est pas possible. Regardez là-bas. Oui, bah bien sûr, il arrête pas de mater la nouvelle venue là, bah des champagnes. Oui. Voilà. Elle est belle, elle est belle. Allez, ouvre la boîte. Bravo. Boîte suivante. Ça prend trop d'heure. D'accord, pas de problème. Le nouveau, le 12. Le Canadien, on y va, on ouvre la boîte numéro 12, on renonce définitivement à la somme de 1 centime d'euros. Boîte suivante, où va-t-on? Je voudrais faire chanter Kiki de seconde. Ah bah, quand elle ouvrira sa boîte. Chewbacca, Chewbacca, sachez que votre ami souhaiterait une chanson. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter qui ne remonte pas au XVIIe siècle? Lara Fabian. Ah! Je sais que ça vous fait plaisir. On vous écoute. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime comme un loup, comme un roi. Et comme tu... Je t'aime comme ça. C'est magnifique. Bienvenue. Merci, merci. Non, non, ne l'encouragez pas. Bienvenue à la Chante Faux Academy. Oh non, j'ai pas chanté faux. Un petit bisou, un petit bisou. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ah, mais qu'est-ce qui nous arrive, Arthur? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas. Oh, bah rien, il nous arrive rien. Oh, bah tant pis. Où la boîte? Allez, on l'ouvre. Oh là 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 là. 100 euros! Il faut que je monte
sur ma vie. Hein. Alors, je sais plus. Ça se passe bien? Oui, Arthur, encore ouais, là. Suivante. Mais arrêtez de me tripoter. Je vais écrire une lettre au magazine. Hein. Attendez, je peux pas encore aller vous faire vous reposer vers la 15. Je vais continuer encore un peu là. La 14. La 14. Non. On va aller se reposer vers la 15. Allez, on y va. €300 000. Oui, Arthur. Oui, allô. Bien sûr, tout à fait. Très bien. Arrêtez, oh. Première offre du banquier, €27 000. Deuxième offre de la banque, si vous le souhaitez, €35 000. À prendre ou à laisser. Tiens, des bons messages. Ah, très bien. Oh, il faut continuer. Il faut continuer. Elle est mignonne, la dame, là. Hein. Quel est votre prénom? On n'a pas fait Chantal. Connaissance. Chantal. Chantal, vous faites quoi dans la vie? Restauratrice. Ah oui? Dans les Ardennes. Quelle cuisine? Traditionnelle. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? 35 000 €, 230 000 francs à prendre ou à laisser. Attention. On continue. 1, 2, 3. Alors, on continue, vous aussi, 3281 ou bien par SMS en envoyant boîte au 6300. Vous partagerez les gains de Ève. Ève, ma belle, ouvrez-moi la bonne boîte cette fois-ci, on doit aller dans le bleu. Reprendre un peu de bleu, remonter à la surface. Le très gentil Félix. Ah, Frishti, le petit. Bonsoir. Ouvrez-moi cette boîte. 10 000 €, c'est du bleu. Ah, j'avais pas vu. Boîte suivante. C'est quoi, qu'est-ce que j'ai... 10 000 €. Eh, ah. Hey, vous êtes avec nous, là? Hey, non, mais je me suis cachée derrière vous, j'ai pas assumé. Alors, j'ai pas assumé. Ma chouchoute, Languedoc-Roussillon. C'est Noël bientôt, non? C'est Noël bientôt, oui. Non, parce que je vois que vous avez mis une guirlande autour du cou. Hein. Mais c'est une coquine, hein, ne vous fiez pas. Hein. C'est-à-dire? Très coquine. Ouvrez-moi cette boîte. Allez, dépêchez-vous. 500 €, c'est du bleu. Allez, on enchaîne, boîte suivante. Picardie. Josette. Arthur. Allez, mamie, ouvrez-moi cette boîte. Yes! 10 €, très bien. Boîte suivante. Le très beau jeune homme que je vais pas connaître longtemps. Ouais, ouais, le beau gosse. Le beau gosse. Le roi des UV. Ouvrez-moi cette boîte. Qu'y a-t-il dans la boîte du candidat de France? 30 000 €, attention. Regardez l'écran, il reste 3 boîtes bleues. Virez-moi ces boîtes bleues. Parce qu'on est bien là pour l'instant. Regardez, 2, 4, 6, 9 boîtes et 6 supérieures à 25 000 €. Allô? Très bien. €40 000 à prendre ou à laisser. On continue, Arthur. 1, 2, 3. Alors, on continue, vous aussi. 32,81 ou bien par SMS. En envoyant en boîte 6300, vous partagerez les gains de notre copine Ève, qui vient de Saint-Florent. J'ai plein de copains là-bas que je salue. Moi aussi. Et des méduses cette année. Hein. Énormément, oui. Mais je viens d'un tout petit village où il y a très, très peu d'habitants. Bien. Et alors, c'est pas parce qu'il y a très peu d'habitants dans votre village qu'il n'y a pas de méduses. Où est le rapport? Mais je vais pas tellement à la plage. Où est le rapport entre le village et les méduses? Ah, tu m'épuises! Le banquier, on continue. Je suis fatigué. Allez, Arthur. Laquelle? La 21. Coucou. C'est toi, mon chéri. Bonsoir, Arthur. Hey, vous étiez en train de faire une sieste ou quoi, Pénicio? Non, non, c'est le truc qui me gêne un peu. Comment? Non, non, c'est le fil qui...
Regardez-moi ce chant guerrier de pervers. Je suis fatigué. La dernière fois que vous avez fait ceci, une porte-bonheur, vous aviez 1 000 000 dans la boîte. Ouvrez la boîte. 200 000. Attention, Eve. Attention. Où va-t-on? Virez-moi ces 3 boîtes bleues qui nous narguent. 3. Allez. Le centre. Bonsoir. Ma princesse de la région centre. Quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boîtes et à peine 2 dans le bleu. Mm-hmm, allez. Oui. Allez, la Franche-Comté. Céline, envoie-moi cette boîte. Comment ça va? Tout à fait. Vous voulez bien répéter, s'il vous plaît? Si vous le souhaitez, le banquier nous propose d'échanger notre boîte. Contre un chèque de 55 000 euros. Eve, ouais. 55 000 euros, vous voulez que je vous donne le prix en ancien franc? 361 000 francs. À prendre ou à laisser? Je peux regarder les sages? Ah, vous pouvez les regarder, mais si vous leur parlez, c'est mieux. Non, mais il me parle tout seul. Allez, Vivi. Qu'est-ce que vous en pensez? Un bleu. Il y a la chance. 5 jaunes. Il faut continuer. Ah, il y a la chance. Il faut sortir. Techniquement, il reste une boîte bleue pour 5 boîtes gold. C'est vrai que pour l'instant, le tirage est exceptionnel. Si vous refusez l'offre du banquier, à partir de maintenant, après chaque ouverture de boîte, il nous appellera pour nous faire un nouveau deal. Mais attention, il faut vous sentir capable de me virer la boîte à 50 euros. Sinon, des offres comme ça, on n'en aura plus. C'est quand même 361 000 francs. C'est un bon apport si vous voulez acheter une maison pour votre papa, Raoul. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, Arthur. 1, 2, 3, on y va. Alors, on continue. Et vous aussi, 32 81 ou par SMS, en envoyant en boîte au 6300. Vous partagerez les gains de Evelyne, qui a 50 euros. Détendez-vous, au lieu de donner des coups sur votre micro. La jolie Lorraine aux yeux bleus. Ah, elle clignote de mille feux. Elle est magnifique. 75 000 euros. Attention à ne pas faire la boulette, ma belle. Hein. Allô? Ça va, soyez sympa. Oh non, pas ça. D'accord, ok. Très bien, ça va, j'ai entendu. Prends la tête. Qu'est-ce qu'il dit, l'artiste? L'artiste? Bah, si c'est un artiste, c'est un mauvais artiste. Hein. Un artiste de mauvaises nouvelles, un artiste raté, un loser qu'on ne verra jamais, Dieu merci. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'échanger. Très bien, ben, je vais vers la 2. Et pourquoi la 2? C'est le jour de naissance de mes deux fils. D'accord. Allons-y. Vous êtes sûr? Alors j'y vais. Ça me permettra d'approcher Pocahontas, qui est belle comme un cœur avec ses boîtes. Merci. Avec ses couettes, tu peux pas approcher avec ses boîtes d'ailleurs. Elle est mignonne et est tellement célibataire.
Est-ce que vous avez envie de voir ce que vous aviez dans la boîte? Oui. Allez, découvrons ensemble la boîte que vous avez remise Jean-Louis au hasard. Oh là 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 là. C'est risqué de faire un échange à ce moment-là. Très. 50 000 euros, vous étiez garanti d'avoir 50 000 euros. Prions pour qu'on ait récupéré 150 ou 1 million d'euros. Là, vous souriez, mais vous riez jaune. Hein. Vous n'êtes pas contente. Hein. Non, non, c'est pas ça. C'est une autre tension. Une autre tension? Oui, oui. Vous inquiétez pas. Non, mais on avait 50 000 euros, ça me rend malade. Oui, allô? Ah ben oui, vous êtes content, vous faites la fête, monsieur rigole. Je vous écoute. J'ai une offre à vous faire de la part du banquier. Je sais que vous visez la boîte à 1 million d'euros. J'ai une offre que je vais vous demander de considérer. Mais pour ce faire, il faudra être un petit peu patiente parce que la proposition du banquier, je vous la donnerai. Oui, je sais, c'est un peu salaud. Je vous la donnerai après les pubs. Comme ça, on est sûr que vous revenez. À tout de suite pour la suite d'apprendre à laisser un bon emploi qu'il reste encore 1 million d'euros à partager. Je compte sur vous. Sur le plateau, la prendre ou la laisser. Venez, 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 venez. Approchez que je vous présente ma copine Ève. Ève est une charmante candidate qui représente brillamment l'île de beauté. Saint-Florent, un village que je connais bien et que je salue. J'ai plein de copains là-bas. Et je voudrais vous rappeler Ève, et je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, que juste avant les publicités, vous avez échangé votre boîte et nous avons découvert que vous aviez 50 000 euros. Il reste une chance sur 4 pour que nous ayons 1 million d'euros. Combien de fois dans une vie on se trouve face à un tel taux de probabilité? Une chance sur 4 d'avoir 150 000 euros. Une chance sur 4 d'avoir 25 000 euros. Mais hélas, parce que je me dois d'être honnête, vous avez exactement la même probabilité d'avoir récupéré 50 euros. 50 euros. Juste avant les publicités, ce chacal qui nous nargue depuis le début de la partie nous a fait une offre. 35 000 euros. À prendre ou à laisser. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va essayer d'y aller, de chercher un peu plus. Vous refusez l'offre du banquier? Oui. Une fois? Deux fois, trois fois. Statistiquement, vous êtes bien placé. Mais attention à ne pas déraper. Allez, faites-moi plaisir. 14, Pays de la Loire. Faites-moi rêver. Ça va, bonjour. Mon garçon? Très bien. Tu permettez que j'aille voir? Oui, bien sûr. Je vous demande 50 euros et vous me donnez 25 000 euros. C'est moins pire. Parce que mine de rien, nous avons une chance sur 3 d'avoir au moins 150 000 euros. Et une chance sur 3 d'avoir 1 million d'euros. Et ce téléphone, la sonnerie la plus célèbre de France. Elle est célèbre parce que c'est un banquier qui est désormais une star. Mais cette sonnerie, elle est affreuse. Oui, complètement. On la voudrait pas chez nous. Non. Oui, allô? J'entends pas. Je vais bien vous prendre dans mes bras pour une fois. Parce que le banquier nous propose de racheter notre boîte. Arrêtez de faire la maligne, concentrez-vous, parce que l'offre que j'ai à vous faire est importante. 120 000 euros. À prendre ou à laisser. Vous avez exactement deux boîtes supérieures à l'offre du banquier. 150 et 1 million d'euros. Je sais ce que vous vous dites, hein. Vous, vous êtes une fonceuse. Je ne sais pas ce que nous avons récupéré en prenant le chiffre 2 de vos deux garçons. Mais en tout cas, le banquier est déchaîné. Il nous propose 120 000 euros. Et je vous le dis, tant que je serai l'animateur de cette émission, je vous le répéterai, 120 000 euros, c'est quasiment 788 000 francs. Je sais que vous avez envie de continuer. Alors, je vous explique. Tout ceci est mathématique. Si vous refusez l'offre de la banque, vous aurez le droit d'ouvrir une autre boîte.
Si vous virez celle à 50 euros, alors là... Si c'est celle à 150 000 euros, alors là... Si c'est celle à 1 million d'euros... Mais... Honnêtement, à ce stade de la partie, les statistiques sont avec vous, mais, et je le dis toujours, vous avez une chance sur trois d'avoir 50 euros, une chance sur trois d'avoir 1 million d'euros, et la moitié, au milieu, c'est 150 000. Moi, je suis très content. Voilà, j'ai fait mon job, je vous ai donné toutes les possibilités. Vous avez envie de continuer, hein? Oui, terriblement. Eh bien, alors, fiez-vous à votre intuition. 1, 2, 3, on y va. On continue. Vous êtes la première candidate de l'histoire d'apprendre ou à laisser qui refuse 120 000 euros. Et je m'en veux de ne pas avoir été assez convaincant. Et même si on gagne 1 million d'euros, je le répète, 120 000 euros, ça mérite d'être considéré comme somme. C'est considéré, mais je ne sais pas si c'est de la folie. J'en perds mes mots. J'allais dire, je ne sais pas si c'est de la folie ou du culot. C'est pour ça que j'ai dit de la follow. Mais vous venez de refuser 788 000 francs. Alors virez-moi cette boîte à 50 euros qui nous narque, qu'on en finisse. Allez, allez. 7 ou 20? 7. C'est quoi le 7? Non mais c'est un concept dans l'émission. À chaque fois, c'est le grand écart. Et quel grand écart? Allez-y. 150 000 euros. Les deux opposés vont-ils se rejoindre ce soir? 50 euros ou 1 million d'euros? Papa, je sais pas quoi faire. De l'argent, on veut de l'argent. De l'argent, on veut de l'argent, s'il vous plaît, monsieur le banquier. Je vous trouve très sympathique en ce moment. Non! Non, qu'est-ce qu'il a dit, un échange de boîtes? Bah ouais, bah il l'a compris. Qu'y a-t-il dans cette boîte pour qu'il nous propose 120 000 euros? Qu'y a-t-il dans cette boîte pour ce que... C'est la question qu'il faut se poser, c'est il nous propose 120 000 euros, vous refusez, maintenant il veut qu'on l'échange. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Moi, je sais pas. Bon. Je vais la garder. Une fois. Deux fois, trois fois. Bravo. Tapez. J'espère que ce chiffre 2 vous portera chance. Allez. Je pense que jamais, je crois que c'est la première fois qu'il y a une chance sur deux pour qu'un candidat reparte avec 1 million d'euros. Allez, Karim. On y croit tous. S'il y a une étoile au-dessus de votre tête, il faut l'appeler. Vous qui nous regardez, priez avec nous. Parce que dans 10 secondes, ce sera peut-être le plus beau jour de ma carrière d'animateur ou le plus terrible pour notre amie Ève. Écoutez, je suis tellement stressé que j'ai même pas vu. J'ai ouvert, mais je vous jure, je tremble. J'arrive pas à voir et j'ai trop peur que ça sorte. Allez, je tremble comme vous. Allez, j'invente pas. Allez, ce soir, Ève, allez-vous être la première candidate en France à repartir avec 1 million d'euros ou 50 euros? Quoi qu'il en soit, vous resterez une copine à tout jamais. Vous aurez marqué les annales de l'émission. Je peux avoir un bisou? C'est marqué. Ce soir, Ève, vous serez partagée entre les regrets
et les remords. Vous avez refusé 120 000 euros contre une boîte qui en contenait 50. Je suis désolé. En plus, jusqu'à la dernière seconde de l'émission, le banquier, ce vicieux, nous a proposé d'échanger la boîte. Je suis effondré parce que j'ai l'impression que j'ai pas été assez convaincant quand je vous ai expliqué que 120 000 euros c'était beaucoup d'argent et qu'il fallait surtout pas les balayer d'un revers. Je suis effondré parce que tout le monde ici même, et vous qui nous regardiez, était persuadé qu'il y avait 1 million d'euros et qu'une fois de plus nous nous sommes fait planter par ce chacal. On aura notre revanche. Ce sera pas ce soir. Je crois que vos camarades vont vous saluer. C'est à prendre ou à laisser. Chaque jour un scénario et celui est malheureusement très triste, celui de ce soir. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bien entendu, il y a un gagnant Audiotel dont le nom apparaît à l'écran qui va partager 50 euros avec Eve. Je suis miné. Ça n'enlève rien à l'amour que vous portez pour Raoul qu'on va saluer. Et voilà. Chaque jour, c'est Shakespeare, chante Shakespeare dans notre émission. Allez, à demain. On va essayer de passer ce moment. Dès maintenant, appelez le 3281 ou envoyez boîte au 6300 et vous partagerez peut-être jusqu'à 1 million d'euros avec notre candidat de demain soir.